Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 2 mars 2024 en direct de la ville de Goma sur Congo Live Télévision. Monsieur David Mbieu, notre invité du jour, nous disons merci pour votre invitation d'avoir accepté, alors nous disons merci. Bonjour encore une fois de plus et bienvenue sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour à tout le monde qui nous suit. Hein. Comment vous allez, monsieur? Nous allons très très bien. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Nous sommes protégés par Dieu, nous sommes protégés aussi par nos ancêtres. Parlez-nous un peu, ça fait un peu de jours hein, où nous ne vous avez pas vu, nous avions cherché, nous vous avions pas trouvé, on vous avait appelé, vous nous aviez fait entendre que vous étiez dans le territoire de Rutshuru et nous voici en retour. Parlez-nous un peu, nous avions entendu, avant de parler d'abord de tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avions entendu, ce qui se passe dans le territoire de Rutshuru, parlez-nous un peu. Quelle est la situation, comment ça se déroule sur l'occasion de qui aujourd'hui a la monopole sur les terrains, qui règne vraiment. Parlez-nous un peu de là où vous étiez venu avant d'aborder certaines questions. Ok, monsieur David, je pouvais te dire ceci. En réalité, nous sommes venus de là, dans le chaud. C'est ce que nous appelons ça, c'est dans le chaud. Alors, nous sommes venus de Masisi, je suis passé aussi par Rutshuru. Alors nous avons les informations, vous nous appeliez et même les gens de la diaspora nous appeliez. Et je le disais que je suis quelque part, je fais mon travail comme il faut, que Dieu m'avait donné et nos aïeux. Alors ce que je peux te dire pour le moment, et c'est ce que je dis aux gens, est que si nous sommes à Goma, il y a ceux qui me disent non, non, vous êtes toujours à Goma. Pourquoi vous êtes toujours à Goma? Ah. Monsieur le journaliste, tu me posais aussi la question, comment va Goma? Est-ce que Goma sera prise? Est-ce que ça, est-ce que... Et je te dis pourquoi ça ne peut pas être prise, cette ville de Goma et Sake, la cité de Sake. C'est parce que nous sommes même à Sake, nous sommes à Goma, nous sommes partout et nous voulons tout, nous voyons tous les mouvements que ce genre-là est en train de faire. Et nous aussi, nous sommes en train de faire aussi d'autres mouvements. Alors avec ça, cette ville ne peut jamais être tombée. Et même la cité de Sake ne peut jamais aussi être tombée. Et même partout là où ces gens sont, vraiment vous aurez des informations qui sont très bonnes. Parce qu'on a fait de bonnes choses là-bas. On a travaillé quand même. On va parler aujourd'hui de plusieurs sujets d'actualité. Mais on va d'abord s'orienter dans les territoires de Masisi, il y a beaucoup dans les territoires de Rutshuru, pardon, on reviendra après dans les territoires de Masisi, où on signale déjà qu'il y a des généraux qui sont là, c'est le des fonds et tout le reste. Ouais. Parlons-nous un peu du territoire de Rutshuru. Nous avions entendu que les Wazalendo ont été capables à abattre, à tuer un officier, un colonel clé chargé des opérations au sein du M23. Parlez-nous un peu comment cela se fait. Qui l'avait fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Ces informations autour de cela. Et comment cela peut-il arriver au cas où c'est le M23 qui contrôle ces zones-là? Bambo, je précise bien. Et les Wazalendo, comment est-ce qu'ils ont tendu ces pièges? Comment est-ce que c'est la question qui se pose? Parlez-nous un peu, monsieur. Okay. Sans dévoiler vos secrets et tout le reste. Okay. Parlez-nous, est-ce que c'est vrai? Quelle est la détermination? Et d'ailleurs, je ne peux pas vous donner mes secrets. Hein. C'est ce que je vous dis souvent, que nous avons des secrets que je ne peux pas donner. Alors, en réalité, ces gens-là se disent que non, non, ils sont bien protégés, hein, ils sont très forts, plus que nous, ils sont. Mais, monsieur le journaliste, et que tous les Congolais le sachent maintenant, que les Wazalendo et le FARDC sont très très forts, plus que ces gens-là. Tu vois? Quand aujourd'hui je peux te donner une information en disant que les Wazalendo sont au courant que Nanga est à Rutshuru, vous ne les connaissez pas? Nous connaissons que Nanga est à Rutshuru. Alors, vous voulez attendre d'abord cette histoire-là sur les colonels? C'est alors, je peux vous dire ceci. Le monsieur se disait que bon, moi je suis un grand maître, nous le connaissons, hein? Nous le connaissons aussi, c'est un combattant. Ah, il se battait vraiment contre nous. Alors, c'était avant-hier, hier avant-hier.
Alors, ils se croyaient être bien protégés, et d'ailleurs, peut-être ils s'appelaient comme Mouzalendo, peut-être. Parce que nous, les Wazalendo, nous partons sans même garde du corps. Il est parti avec plusieurs de ses gardes du corps. Il est parti s'enivrer, prendre des bouteilles. Alors, les Wazalendo les suivaient. Un Mouzalendo, c'est qui? C'est ce que je vous disais. Un Mouzalendo, c'est un patriote. Hein? Alors, le suivait, le voyait comment il prenait de l'alcool, il s'enivrait avec les pites rwandaises et ougandaises. Alors, avec ça, il a tout fait. Et après, le Wazalendo s'est dit, non, non, avec ce monsieur, vraiment, on ne prend pas même ce militaire, nous allons seulement le retirer. Par la force de Dieu, ce que je vous dis, la force de Dieu, et la force de nos alliés, mais nous avions maîtrisé ces messieurs. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est chez Satan, il est chez Satan. Tu as compris? Et avec ça, il y a quelqu'un qui est en Europe qui me dit, non, non, les Wazalendo, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Je l'avais dit, soyez calme. Mais nous, nous sommes ici, les Bambo, si je vous dis, c'est un endroit très sécurisé par les M23. Ils se disent très sécurisés par M23. Mais pourquoi on a capturé ces messieurs? Partout, ils se disent qu'ils sécurisent le millier. Ces milliers-là ne sont pas sécurisés. Nous sommes partout. C'est ce que je vous dis d'ailleurs. Monsieur le journaliste, quand on voudra qu'on peut attaquer ces gens, c'est à n'importe quand. On peut prendre ces milliers dans quelques secondes. Nous sommes partout. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Je vous dis, ça fait 2 ans. Mais comme la politique reste aussi la politique, nous les avions laissés. Nous les avions laissés. Il y a les Américains qui nous disent, non, non, nous sommes qui? Nous sommes les forces. Les forces, quelles forces? Forces négatives, comme les quoi? Les M23. Un enfant du pays, force négative, par rapport à quoi? Mais quelqu'un qui veut venir envahir le pays, il n'est pas force négative? Alors, nous qui défendons l'intérêt de nos populations et notre terre, ils nous appellent force négative. Par rapport à quoi? Tu comprends, monsieur le journaliste? Alors, nous sommes partout. Que les gens ne vous mentent pas. Nous sommes partout et nous allons les attaquer partout. Et c'est ça que je viens de t'informer d'ailleurs, que Nanga est à Rutshuru. Et c'est même Nanga-là, monsieur le journaliste. Il y a quelqu'un, il y a un homme d'affaires qui avait dit, non, non, si vous m'amenez un monsieur qu'on appelle un Nanga ici, je vais vous donner $1 million. On ne veut plus même prendre ces 1 million. Mais nous allons t'amener ce Nanga. On va l'amener ici, en état vivant. Hein? Nanga est maintenant à Rutshuru. Et nous sommes au courant. Alors avec ça, c'est la force de Dieu et la force de nos alliés qui nous montrent tout ça. Ah oui. Les Wazalendo, vous serez capables à mettre la main sur Nanga. Oui, oui. Nanga, qu'il soit calme. Ou bien peut-être sur les Malais, il peut fuir même. Parce qu'on peut le prendre. Mais s'il fuyait même au Rwanda ou bien en Ouganda, nous serons capables même de le prendre là-bas. Parce qu'il y a certains de Wazalendo, de nous, Wazalendo, nous sommes déjà au Rwanda. Ils sont déjà en Ouganda. Alors, au Kenya, là, on ne peut pas en parler. Alors, que Nanga, monsieur le journaliste, Nanga, on va le capturer bientôt là, en état vivant. On ne veut pas le tuer. Ah. Oui. Et l'histoire du M23? L'histoire du M23. Quelle sera sa fin? Sa fin? Concernant quoi? Nous, monsieur le journaliste, sur terrain, monsieur le journaliste, il n'y aura pas de dialogue. Même s'il y aura des dialogues, ce que les gens sont en train de me dire, est-ce qu'on a attendu le président de la République prépare les dialogues? Bon, je ne pense pas si le président de la République peut faire les dialogues avec les envahisseurs. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Avec la lire où je vois les choses sont en train de partir, non, non. Non, non, nous allons battre ces gens. Vous pensez que Félix Antoine Tshisekedi va remporter? Oui, oui, il va remporter. Qu'est-ce que vous faites croire à ça? Ah, oh, monsieur le journaliste. Il n'est pas déterminé. Monsieur le journaliste, il n'est pas déterminé par rapport à quoi?
Si tu me dis qu'il n'est pas déterminé, c'est-à-dire qu'il a dit à ce militaire de baisser les bras. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs chefs d'état-major qui sont ici. Ils sont venus d'où? De pays de SADC. Ils sont venus ici pourquoi? Mais il y a quelques motivations avant, qui les ont motivés David, de venir ici Monsieur pour David, terminer, en finir une fois pour toutes Monsieur avec David, cette guerre imposée. Avant de s'en aller à sujet de ces généraux qui apparaissent là et sont dans les territoires de Massissi, parlons-nous-en un peu du territoire de Rutshuru, là où on est jusqu'à présent. Il y a des opinions qui viennent comme quoi tous les Rutshuru sont sous occupation de M23. D'autres à confirmer, d'autres à démentir. Parlez-nous-en un peu, vous qui fuyez là-bas, vous qui étiez là-bas. C'est quoi la réalité autour de ces choses? Les M23, ils occupent la totalité de Rutshuru ou c'est le cas contraire? C'est ce que j'avais encore dit et éclaircir l'opinion nationale qu'internationale. Les M23 n'a jamais et jamais encore pris tous les territoires qui se disent être sur cet territoire. Ils se disent être sur le territoire de Rutshuru, ils se disent être sur le territoire de Massissi, mais aussi territoire de Niragong. C'est ce qu'ils se disent, non? Mais je vous dis, en réalité, ce n'est pas ça. Ils sont dans des coins. Quand tu dis territoire de Rutshuru, mais quelqu'un qui t'appelle, bon, qui t'appelle maintenant, là, tu peux appeler quelqu'un à un endroit qu'on appelle Ishasha. Ishasha, c'est dans Rutshuru, non? OK. Mais c'est le gouvernement qui est là. Ishasha, c'est Rutshuru. Est-ce qu'ils ont la totalité de Rutshuru? La réponse, c'est non. OK. Rutshuru, il y a encore ce qu'on appelle Nyamirima. Est-ce qu'ils sont à Nyamirima? Non! Ces gens-là, ils se disent, nous avons la totalité pour montrer la communauté internationale qu'ils sont forts. Oh, ce n'est pas ça. À Massissi. Je vais à Massissi. Est-ce qu'ils ont la totalité de Massissi? La réponse, c'est non. Alors, à Niragongo, est-ce qu'ils ont la totalité de Niragongo? Vous êtes ici à Goma, vous connaissez le territoire de Niragongo. Ils ont la totalité de Niragongo. Mais non! Et avec ça, ils se disent, non, nous avions pris 3 territoires d'ailleurs pour montrer à la face du monde et à ce parrain américain, français et autres que, non, maintenant les choses sont cuites, vous pouvez faire maintenant ceci. Mais non, et c'est ce que je voulais dire aux gens, qu'il ne faut pas attendre les informations qui viennent de l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? Et c'est qui? C'est le M23 envahisseur, RDF, UPDF, et le monde occidental, et le Soudanais, et tout le monde là qui les aide. C'est ça les ennemis. Et ils ne peuvent pas dire la vérité concernant la République, puisque nous, les enfants du pays. C'est ça. Alors, nous devons attendre et écouter souvent les informations de notre pays. Pas écouter les informations même de la RFI. Chers Congolais, la BBC là, ce sont les médias des Américains. On parlait de Nyanzale. Nyanzale a été sous menace des rebelles du M23. Actuellement, qui est à Nyanzale? Le M23 n'a pas su prendre Nyanzale. Jusqu'à maintenant, c'est le Fardese et les Ouazalendou qui sont à Nyanzale. Ça, je vous confirme. Certes. Oui. Jusqu'à maintenant. Et le M23 ne prendra jamais encore, jamais, même 15 cm. Parce que dans la lire où nous allons maintenant, c'est une détermination totale. C'est ce que je vous ai dit encore. C'est une détermination totale. Ils ne prendront encore et jamais encore. C'est la détermination. Nous sommes dans la deuxième phase. Phase de la détermination. Et dans cette phase-là, il s'agit de chasser partout où il y a M23 et un Rwandais et autres. Rwandais militaires, pas civils. Parce que les gens attendent souvent, ces gens c'est qui? Ce sont les Rwandais, les Ougandais qui montent des stratégies en disant c'est ça le génocide, c'est ça quoi? Nous attaquons le RDF, on ne s'attaque pas à la population rwandaise. La population rwandaise est aussi victime, comme nous, population congolaise. Même si on les amène ici. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, vous venez de voir une dame qui vient de passer ici.
Et le passé avec quoi? Avec les tomates, hein, qu'on appelle les tomates, les bananes et autres. Ils viennent ici vendre les choses. C'est parce que c'est ici où ils enlèvent quelque chose. Là chez eux, même si tu cultivais, tu peux manquer là où tu peux vendre ça. Il faut coopérer avec quelqu'un qui a l'alimentation, quelqu'un qui fait de quoi et de quoi. Et c'est là où il peut prendre ça dans n'importe quel prix. Et avec ça, hein, la population rwandaise est en train de souffrir. Hein? Même si les gens disaient, non, on peut fermer la frontière. Bon, moi aussi, vraiment en état hein, chrétien, encore mousalende et autres, je vois ces gens aussi souffrent. Ils souffrent. Hein? Vous venez de le voir. Mais avec ça, on ne s'attaque pas à cette population. Mais on s'attaque aux RDF. Parce qu'ils font les choses qu'ils connaissent. Hein? Vous m'avez compris. Mais cette phase que nous avons maintenant, c'est la phase de détermination et d'enlever tous les M23 RDF partout où ils sont. On s'en va dans les territoires de Masisi. Il y a quelques jours, avant d'y parler, il y a quelques jours, les généraux des états généraux membres de la SADC sont arrivés dans la ville de Goma. Je rappelle, vous n'étiez pas là, présent dans la ville de Goma, mais vous les avez retrouvés ici. Oui. Personnellement, vous, les Wazalendo, comment vous l'avez réussi que ces généraux vont arriver dans la ville de Goma? Et c'est ce que je vous disais avant, que la guerre se fait toujours avec les amis, les vrais amis. Vous venez maintenant de comprendre que l'EAC et la SADC, ces deux organisations sont très différentes. Vous venez de comprendre. Et même nous, même sur le terrain, même la population dit que ces SADC ici peuvent nous aider. Vraiment, nous devons aider aussi ces SADC à découvrir l'ennemi. Nous aussi, Bazalendo, on est très contents à leur arrivée. Vraiment, ils sont bien accueillis ici chez nous et nous les avons aussi bien accueillis, même si je ne suis pas là où ils étaient. Ils étaient à Sac, dans la cité de Sac. Moi, je n'étais pas là. Alors, quand même, nous étions très, très contents et nous sommes encore contents parce qu'ils sont, encore ici. Et ça montre, c'est ce que je vous dis, ça montre que, hein, il y a une autre phase que nous allons entrer sur la phase décisive, déterminative. Nous allons chasser ces ennemis ici. Nous allons les chasser. Je vous dis. Hier, ils se sont rendus dans les territoires de Masisi, plus particulièrement Mubambiro, Sac. Sac, oui. Les rebelles du M23, avant l'arrivée de ces généraux, ont essayé de larguer 5 bombes au total, comme l'a confirmé le général Ekenge, porte-parole de FRDC, en RDC, on peut le dire. Quel est le message que les rebelles du M23 voulaient faire passer à ces généraux avant leur arrivée dans la cité de Sac? Est-ce qu'ils voulaient le faire peur en fait qu'ils n'arrivent plus dans la cité de Sac? Monsieur le journaliste, en réalité, ces gens-là, nous les connaissons. Moi, je les connais d'ailleurs depuis que la génocide, qu'on dit génocide rwandais, qui s'était passé au Rwanda. Il y avait le réfugié rwandais, Hutu rwandais, qui était venu ici. Alors, en arrivant ici, monsieur le journaliste, ce réfugié-là, j'étais venu, on avait donné, si c'était le pré-cantonnement que je peux dire, au niveau de Mugunga. OK? En arrivant à Mugunga, ces gens-là, l'RDF, avaient massacré les Hutus rwandais à Mugunga. Ces bombes sont venues d'où? Sont venues du Rwanda. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire, ça veut montrer à la face du monde que partout là où ces généraux étaient, donc c'est à Sac, dans la cité de Sac et à Mubambiro, je vous confirme qu'il y a quelque chose là que je ne peux pas vous dire de spécial. Même à Sac, il y a quelque chose de spécial. Alors, quand ils attaquent ça, donc pour prouver à ces généraux, et encore, ce n'est pas n'importe quel général, ce sont des chefs d'état-major de ce pays. Il y avait le Burundi, le chef d'état-major du Burundi, le chef d'état-major de l'Afrique du Sud, de Malawi et de Tanzanie, et notre chef d'état-major. Donc, 5 chefs d'état-major. Là, pour causer seulement, pour ceux qui se disent, chers amis, chers Wazalendo,
comment avec l'histoire seulement des M23, hein, vous voyez, vous pouvez même les battre dans deux secondes. Mais il y a cinq chefs d'état-major qui sont venus. Et là, c'est une guerre à minimiser? Non. Alors, il voulait faire peur à ce chef d'état-major. Mais monsieur le journaliste, quelqu'un qui est un militaire, qui connaît déjà que les bombes existent partout, et partout, s'il est en mission, il peut mourir. Est-ce que tu peux le faire peur, vraiment? Alors, avec ça, il voulait paniquer même la population, et même les généraux, hein? Et même nous, les Ouazalendes. Par conséquent, ces gens-là, ces généraux, ces chefs d'état-major que je respecte beaucoup, ils sont arrivés jusque-là. Et de ces généraux sur les terrains, sur les lignes de front, on nous a laissé entendre qu'il y a les M23 qui ont pris fuite. Est-ce que c'est vrai? Ah, et c'est ça que je suis en train de te dire. Il y avait des collines, deux ou trois collines, qui étaient occupées par les M23, tout près de ça que là-bas. Mais quand ils ont vu ces généraux, donc là, on ne blague plus. Hein? Il n'y a plus assez dur. Non, non, on peut faire ça. Non. Quand ils ont vu ces généraux et ils ont vu l'engouement de militaires bien armés, ils se sont dit, on ne peut plus faire face ici. Hein? Vous aviez compris? On ne peut plus faire face. Alors, ils ont fui. Je ne sais pas si c'est leur repli stratégique, je ne sais pas. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais nous sommes maintenant dans une phase finale avec eux. Merci. Pour en finir, pour tout. Avec... Même un mot à tous les confrères Ouazalendo, mais également aux amis FARDC. Oui, nos confrères Ouazalendo, ce que je peux vous dire est que, courage encore, nous sommes toujours ensemble, même si nous sommes au repos, mais quand même courage. Ce que vous venez de faire, ce que vous faites toujours, c'est une bonne chose. Mais je vous conseillerais aussi de ne plus paniquer la population, soyez aussi calme, parce que ces gens ici vont fuir et ils ont compris que nous sommes dans la deuxième phase maintenant. Pour le FARDC, cher FARDC, on a changé. Hein? Quelqu'un qui connaît déjà qu'il est en convivance avec le M23 ou bien l'RDF ou autre, c'est mieux d'aller même chez M23. Parce qu'à la prochaine, c'est la mort. Votre numéro, en fait, oui. Monsieur David. Oui, mon numéro, je suis sur +243 9 73 92 25 63. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci monsieur David d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci monsieur le journaliste.